Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le maréchal du coup. Donc la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, c'était le maréchal qui nous avait oublié. Du coup ça s'est transformé en balade. Mais ce coup-ci il vient, il est là dans 5 minutes. Du coup on va chercher les juments et c'est parti. Elle va faire son bébé? On attend. Désolé pour la semaine dernière. La méchante. D'accord, j'ai pas touché grand chose en dessous. Ouais. Au moins, pour affaiblir le pied en dessous. Ouais. C'est beaucoup en extérieur. Bon, Ify c'est réglé, je vais la remettre au prix et ensuite on va faire Lily. Donc je reprendrai la caméra après. On avait acheté, ils étaient pas chers en cuir, c'était avec le truc gravé là. Puis dès que c'est sec, ça pète de partout. Bah oui, ils sont petits. Hein. Kata. Allez, Lily. Des fois, ça arrive, tu tailles, ou tu vas enlever un bon bout parce que c'est moitié pourri. Puis des fois, tu vas un poil trop. Regarde là-haut. Il y a la UFA. Elle boute ? Ouais. Ça se voit. Bon, j'essaye d'être sympa et de donner de la corne au chien parce qu'il aime bien. Tiens mon chien. Oui. Il va leur cracher. Ah non, il la mange. Ah non. T'en veux pas ? T'en veux pas ? T'es un chien ingrat ? T'es un chien ingrat ? Quand on vous dit que c'est une plante verte. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir Ify. Oh, mais c'est non. Je viens de voir Ify qui jouait avec le fil. Le fil sur le nez, normal. Bouge pas, mon âne. Je remets le fil. Et alors? Tu joues pas avec le fil? Un peu le piquet. Pinot qui fait la sieste. Oh la fumée! Là, j'ai rien. Non, c'est rien. Yako, il a peur. Parce que Lily, quand la soirée était là, elle. Ça fait même pas une magie. Oh. On va donner une carotte à Lily. Moi, j'en prends une pour les salons et pour la UFA. C'est le éléphant. Oui. Tenez mes salons. Oui, ça allait pour vous. Vous en aurez une tout à l'heure, une autre. Oui,
après le maréchal. Tiens, ma chichi. Oui. Ça, c'est la chaussure. Chacun des demi. En dessous, par contre, ta parole est en dessous. Du coup, liée à ses fers, je la remets au pré. Et après, c'est le tour des pouces. Viens, ma Lily. Vous devez pas les voir, mais ils sont bien là. Attendez. Hop, je passe au-dessus du fil. Voilà le petit loulou. Évidemment, il y a les deux. La dernière fois qu'on a fait les biais, c'était le mois d'août ou septembre. Non, octobre, je crois, comme les gros en fait. Le 12 octobre. Voilà, c'est parti. Tu vas pas embêter le copain. Bah oui. Le gros chat, il fait ta taille. Bah oui. Ah, Yako, tes grosses fesses, là. Tu t'assois sur moi, mon gros. Je vois plus rien, Yako, avec ta grosse tête. Allez. J'ai fait un bisou à l'Indien, j'aurais jamais dû, j'ai cru que j'allais crever. Tellement j'avais de poussière dans le nez. Montre tes pieds, mon petit Indien. Lui, Indien, il a vraiment besoin. Puis Nox, ce sera juste la petite vérif. T'as peur? T'as peur de la caméra? J'étais un peu la paille au cul, mais quand il y a un loup à l'arrache. Donc j'ai pas pu tout faire. Donc il y a un autre jeune, un autre maréchal qui y va, elle le prend. Je talon pour lui ramener sur devant. Lui, c'est pareil, rien qu'en regardant là, tu sais que tu vas enlever au moins ça. La proportion. Pourquoi on a l'impression que c'est long, Pinocchio. Faut couper les pieds, Pinocchio. T'es prêt? Non. Là, il y a encore du pied. Là, il y a encore du pied. Après, si vraiment tu voudrais chercher où est-ce que t'en es niveau au pied, tu peux chercher le point de rosée. De toute façon, les animaux, ils changent pas. La profondeur de pied, elle reste la même. Et tu connais la force. Dans les 5 glaces, il y en a toujours un coup de fois, ça pousse pas. Là où on pousse, où je sais avec ça. Mais l'école, ouais. Ils servent pour tout le monde. Ils servent pour Indiens et pour Pinot. T'as de la bonne terre? Ah oui, la terre du jardin. Ça lui va bien, ouais, d'accord. Mmh. Il y a du rhubarbe qui pousse dedans. Donc, normalement, c'est pas d'accord, okay. Hein, j'ai de la rhubarbe qui pousse. Garde-moi les celui-là. Arrêtez. Oui, faites la bagarre. Faut être sage. Oui. 2 seconds later. Ils se battent et quand j'arrive, ils arrêtent. Non, et. Je te vois, tu lui mords le licol là. Lâche ça. Allez. Tu recules.
illico, pareil, tu recules. Voilà. Ils tiennent, voilà, tu te dis, même si le pied il a poussé, il a bien poussé parce qu'ils sont homogènes. Ça va être comme du chien. Là, Pinocque. Bon Dieu. Ça s'appelle le veto anti-inflammatoire, tu dis d'accord, c'est bien pour passer la douleur, mais maintenant j'aimerais savoir ce qu'il y a quoi. Bah oui, oui. Sinon c'est qu'un cache-misère. Hein. Voilà. Ça c'est comme les canons. L'arthrose c'est plus quand t'es en extension. Pas en flexion. Le pli il a mal, mais devant il a pas mal. Là. Voilà. Là, il est tout souple, il est tout léger, il n'y a rien. Bah c'est comme ça qu'il se met dans le pré quand son genou bloque en fait. Bah, et puis quand il est couché, Qu'il se lève, oui, c'est ça. Est-ce ouais. Est-ce que c'est de l'arthrose ou c'est pas plutôt la capsule synoviale qui a pété au niveau du genou? Et puis que ça, on dirait que c'est de l'arthrose. Et c'est un peu comme les épanchements de synovie là chez l'homme. Espèce de ski maréchal mormonné, l'autre qui lui piquait 80 balles pour préparer la neige. Nous sommes en cours d'une mission impossible. Je laisse le licol là, on le reprendra au passage. Il y en a combien, 4? Les bibis, ouais. C'est au tour des pouns de retourner au pré. Allez, Lico. Allez, gros. Bon, c'était long, hein. Ça a duré combien de temps? En fait, le maréchal, il arrive à 14h30. Ouais. Et là, il est 17h30. Ça fait 3 heures qu'on y est, quoi. Allez, au pré. Illico. Oh là là. Ouais, mais attends, mets le fil, est-ce qu'ils vont... Bon, alors attends. Mets le fil quand même. Ouais. Ce que je vais faire comme ça. Il n'y a pas de jus, en toute façon. Viens voir, Illico, presto, là. Illico. Bah oui, merci. J'ai un petit bout de carotte pour... Carotte. Que vous avez été un peu très sage. Ici, c'est pas mal, hein. Je suis entre les deux, je pense, non? Ah, d'accord. Ça s'enfonce pas, le bordel. Je suis dans le macadam. Je sais pas trop. Là, c'est assez haut, je pense. Non, c'est pas mal, là. Oui, oui, c'est bien. On mettra la batterie ce soir. Ça y est, la bagarre. Donc voilà, on redescend des poneys qui sont perdus là-bas chez le voisin. Bah voilà. Du coup, tous les mondes. Tout le monde a tous ses beaux pieds. Lily est ferrée des 4. À la base, je voulais faire que des 2. Mais en fait, normalement, il revient dans 2 mois, je pense. 2 mois et demi. Bah, on sera déjà au mois de juin. Donc, voilà, elle commencera. Là, ça va commencer sérieusement. Il faut juste que l'ostéo y passe parce qu'elle a eu une réaction quand le maréchal lui a levé la jambe, la hanche gauche très haute. Donc du coup, mes réactions très très fortes, hein, elle était prête à me mordre et tout. Donc l'ostéo va venir pour les 4 gros et puis après le travail va commencer sérieusement et on pourra commencer à faire des plus grandes balades. Parce que bah ses pieds ça devenait n'importe quoi. Et puis voilà, de toute façon, j'ai pas d'explication à donner. Donc voilà, Pinocque, nickel. Et ses pieds, ils partent un peu à l'extérieur, les 4. Mais c'est parce qu'il est vieux. Donc il m'a dit c'est rien de grave. Indien, on a coupé. Oui, Lily. On a coupé ça. Une grosse partie. Du coup, maintenant, il a des tout beaux pieds. Les poneys, il y avait un petit centimètre. Mais il fallait le faire quand même parce que ça commençait à être un peu long. Et puis fils, ça allait, il a dit qu'il y en avait, c'était le moins. Ils partent à l'intérieur devant et derrière à l'extérieur comme Pinocque. C'est vu ça. Vu qu'elle est jeune, elle, c'est pas trop normal. Enfin, elle doit se tenir mal. Enfin bref, c'est ici quoi. La pauvre. Voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.